Poursuivant une longue tradition de l'ambassade américaine au Tchad, la chargée d'affaires Josie Radcliffe a rendu une visite de courtoisie au président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Josie Radcliffe et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Kater Issa, ont discuté sur les engagements de l'ambassade au Tchad dans des domaines du développement de l'éducation, la promotion de la tolérance et la coexistence pacifique. L'objectif de notre visite aujourd'hui est de présenter nos meilleurs vœux à tous les musulmans du Tchad à l'occasion du Ramadan et profiter de cette occasion pour parler de nos engagements dans les domaines de l'éducation. Aussi, trouver un moyen pour renforcer nos liens, notamment dans les domaines humanitaires et religieux. Ramadan to celebrate these values. La chargée des affaires de l'ambassade des États-Unis, Josie Radcliffe, prône également le respect mutuel des civilisations et réitère la volonté de son pays à œuvrer pour le bien-être des peuples tout en souhaitant un bon Ramadan au Conseil supérieur des affaires islamiques.